Salut tout le monde, c'est AlioTuit les gars, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de la série d'achat-revente Retour en un jour. Donc aujourd'hui l'épisode sera consacré à Marco Verratti, la pépite parisienne. Donc juste pour ça les gars, lâchez-moi un gros like en bas de la vidéo. Je compte sur vous pour atteindre l'objectif de 50 likes pour cette vidéo. Donc je compte sur vous les gars. On va commencer tout de suite l'épisode avec de la tech entraîneur et de la tech crazy. Donc je suis désolé les gars, j'ai pas filmé. Quand j'avais listé les joueurs, j'avais oublié tout simplement. Je vous ai montré le prix auquel je les ai achetés en appuyant sur R3 pour chaque joueur. Donc voilà, j'espère que ça vous dérange pas trop. En tout cas, j'ai acheté Vertonghen, Laporte, Hart, Krikoviak, Guari. Tous ces joueurs là coûtent à peu près 4000 crédits, 3000 crédits. Donc voilà, ça marche les gars. Il n'y a pas de souci à se faire pour ces tech crazy. Donc vous voyez là que beaucoup de joueurs se sont vendus déjà. J'ai aussi acheté un Caicedo en version informe en tech 59 à 10 000 crédits et que j'ai réussi à vendre à 13 000 crédits. Donc Caicedo, j'ai fait de l'achat revente deux fois avec lui. Dans cet épisode, vous verrez un autre plus tard. Donc là, vous voyez que j'ai misé sur plein d'entraîneurs pour cet épisode. Franchement, j'ai rempli ma liste de transferts avec des entraîneurs de tout genre, des Argentins, des Italiens, des Portugais, des Français. Donc voilà, tous les entraîneurs marchent à condition qu'ils évoluent soit en Serie A, soit en BPL. Donc c'est un indice très important pour qu'ils puissent se vendre. J'ai aussi fait de la tech Avion Plus sur Matuidi. Matuidi, j'en ai acheté deux à 4400 crédits et je les ai relistés 2000 crédits de plus, c'est-à-dire 6300 crédits. Donc voilà, ça marche les gars, il n'y a pas de souci à se faire pour cette tech Avion Plus aussi. Tout comme la tech 59, la tech crazy, toutes les techniques marchent. Donc voilà, il n'y a pas de souci à se faire. J'ai aussi fait la textile avec Doumbia, Rondon et ce petit joueur argent. Ainsi que Gomis. Donc Gomis, Rondon et Doumbia, je les ai chopés en chasseur à 1500 crédits. Il y a aussi Gomis que j'ai chopé en œil de lynx à 900 crédits et que j'ai relisté à 1500 crédits. Donc il avait 96 de contrat, il s'est vendu très très facilement. Donc là vous avez encore une fois des entraîneurs, la tech entraîneur franchement très très facile, technique et très efficace parce que franchement les entraîneurs se vendent très régulièrement. Franchement il n'y a pas de période où ils se vendent plus qu'une autre parce qu'ils coûtent tout le temps le même prix, ils sont tout le temps demandés parce que les squad builders changent à chaque fois sur FIFA 16 et voilà ça tourne les gars. Voilà, les entraîneurs ils vont jamais changer de prix, il faut se mettre ça dans la tête. Il y a aussi Caicedo que j'ai chopé encore une fois 11 000 crédits et que je vais revendre à 14 000 crédits en version informe bien entendu. J'ai fait de la tech crazy aussi dans cet épisode pour varier un petit peu comme je vous l'ai dit au tout début. Donc il y a Gundogan, Benatia, Bovu, il y a Parejo, il y a plein de joueurs les gars qui marchent très très bien pour cette tech crazy. J'ai pas fait la tech crazy sur plein de joueurs mais voilà, vous pouvez faire ces techniques pour tous les joueurs qui coûtent entre 1000 et 5000 crédits. Franchement ça marche très très bien pour tous les joueurs qui coûtent dans cet intervalle de prix. Donc on arrive déjà à la fin de cet épisode juste après ce petit dabo que j'ai chopé en tech 59 à 10750 crédits et que je vais revendre à 13500 crédits. Donc voilà, je vais tout retirer, il reste plein d'entraîneurs qui ne se sont pas encore vendus les gars. Mais je me suis dit voilà, on va pas attendre que tous les entraîneurs se vendent pour pouvoir s'acheter Verratti. Donc j'avais commencé l'épisode avec 30 000 crédits. Vu que Verratti coûte 55 000 crédits, j'aurais dû finir l'épisode avec 85 000 crédits. Mais bon les gars, je me suis dit voilà, je vais pas attendre 85 000 crédits. Je me suis dit que si on vend au pire des cas tous les entraîneurs au prix auquel je les ai achetés, on assemblera facilement 85 000 crédits. Vu que j'ai à peu près 60 entraîneurs, donc je vous laisse faire le calcul les gars. On aurait très facilement assemblé les crédits nécessaires pour cet épisode. Donc je me suis dit autant acheter Verratti If dès maintenant. Donc Verratti If, on va l'acheter à 55 000 crédits comme vous allez le voir tout de suite. Donc Verratti, bienvenue au club après Koulibaly If. C'est Verratti If qui va rejoindre notre club en un jour. Donc ça fait plaisir, on est déjà deux joueurs en version informe. Donc les gars, petite nouveauté pour cette série. Pour les prochains épisodes, ça sera vous qui allez choisir le joueur. Donc je vais écrire dans l'espace commentaire 5 propositions, je sais pas encore lesquelles. Quand je posterai la vidéo, j'écrirai ces 5 propositions et le commentaire qui aura le plus de likes, ben je prendrai le joueur de ce commentaire
pour le prochain épisode. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode les gars, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. C'était Aliotchute, bye tout le monde.